Célébrée chaque 1er novembre de l'année depuis l'an 2006 sur le continent, la journée de la jeunesse africaine en République du Congo a été célébrée autour d'un dialogue intergénérationnel entre les jeunes venus de tout horizon et le premier ministre chef du gouvernement Anatole Coligny Makoso. Placé sous le thème « Jeunes, levons-nous et bâtissons », ce devant un parterre de jeunes africains et congolais, l'hôte de ce grand rendez-vous a peint un tableau positif des politiques publiques des États africains visant à développer et promouvoir les actions des jeunes pour leur insertion socio-professionnelle, ainsi que dans l'accompagnement de leurs initiatives entrepreneuriales. Dans son allocution, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hugues Ngolondele, a rappelé le rôle majeur des jeunes congolais dans le développement économique et social du pays, afin d'assurer un avenir meilleur de ceux-ci. Le thème de cette année, définir le futur aujourd'hui, une solution menée par les jeunes pour construire l'Afrique que nous voulons, rime avec la thématique retenue pour ces assises, à savoir jeunes, levons-nous et bâtissons. L'organisation de ces assises sous la forme de dialogue intergénérationnel est une manière louable de célébrer la reconnaissance accrue des jeunes en tant qu'agents clés pour le changement social et la croissance économique dans tous les domaines de la société africaine, conformément aux aspirations de l'agenda 2023. La célébration de la Journée africaine de la jeunesse s'inscrit dans le cadre de l'adoption de la Charte africaine de la jeunesse par la décision du Conseil exécutif du sommet de Banjul le 1er novembre, à l'occasion de laquelle la journée a été proclamée et instituée comme Journée de la jeunesse africaine. En juillet 2006, à Banjul, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont approuvé la Charte africaine de la jeunesse, qui est un document politique et juridique qui établit la norme minimale de subsistance pour les jeunes sur le continent. La Journée de la jeunesse est très importante, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier, car nous parlons d'une population qui est maintenant de presque 1,9 milliard. Dans certains endroits, comme en Afrique occidentale et centrale, les jeunes représentent plus de 60% de la population. Cette journée est importante parce que les jeunes, non seulement forment la majorité de la population, mais sont aussi le plus grand atout du continent. Ce qui nous pousse à dire, Monsieur le Premier ministre, nous devons renforcer les investissements en faveur de la jeunesse. Ce dialogue intergénérationnel qui a donné suite à des échanges houleux entre le chef du gouvernement et les jeunes autour des questions d'éducation, d'innovation, d'immigration et de sécurité, ce qui a conduit le Premier ministre à répondre de façon directe aux différentes préoccupation de l'assistant. Nous avons besoin d'avoir des jeunes cadres qui donnent des réponses aux problèmes du continent, qui assument les réponses, qui donnent les propositions, de sorte qu'on se rende compte, lorsque nous sommes au sein d'un parti politique, où il s'agit de désigner des jeunes qui doivent représenter le parti à des instances de prise de décision, dans les collectivités locales, à l'Assemblée, qu'on voit des jeunes qui connaissent déjà la problématique et qui la développent, mais qu'on ne voit pas des jeunes qui disent notre quota est où. Mais si vous venez pour revendiquer un quota, ça veut dire que vous n'avez pas encore la maîtrise des questions du continent. Et moi, je voudrais que la jeunesse africaine débatte sur la maîtrise sur ces questions, ces grands défis contemporains, les grands problèmes de notre temps qui nous opposent aux autres acteurs du monde et au sujet desquels nous devons donner des positions influencées par les jeunes qui sont aux côtés des gouvernants. Ces jeunes présents à ce dialogue n'ont pas manqué d'apporter quelques contributions, peinent à trouver des solutions de la part des gouvernants. Sur les métiers de la terre, la terre, notre sol est fertile. On n'a pas besoin d'un bac, d'un BPC pour apprendre à jeter une graine et attendre à récolter.
Donc, et sur les métiers du bois, là non plus, on n'a pas besoin d'un long CV pour pouvoir fabriquer des petits meubles et les vendre. Donc, je propose ce programme, la question de ce programme dit formation axée sur la production immédiate. De telle sorte que lorsque ces jeunes sont en formation, okay, l'État peut déjà recenser les petits PME. Ce dialogue intergénérationnel à mettre au profit de la jeunesse a été l'occasion de donner aux jeunes des atouts indispensables pour leur plein épanouissement.